Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et tout de suite, prenons le titre. État de siège dans les deux provinces parmi les 26 que compte la République démocratique du Congo, Kinshasa reste positif et maintient cette option qui, pour le gouvernement, donne de l'espoir. Patrick Muyaya l'a répété dans les médias européens. Mort tragique d'une dame à Kinshasa, tuée par son propre chauffeur, l'audience foraine a été ouverte ce samedi 6 novembre 2021. Le bourreau en voulait à sa victime par convoitise de sa parcelle juste après un voyage effectué à Dubaï. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aucune structure basée en République démocratique du Congo ne voudra endosser la responsabilité lourde d'un quelconque glissement en cas de non-respect du délai pour l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Patrick Muyaya Katembwe, porte-parole du gouvernement congolais, en a parlé et puis il a évoqué le fait que la désignation des différents animateurs au niveau de la Commission électorale nationale indépendante a suivi toute la procédure requise. Et aussi, déclare-t-il, l'état de siège demeure la solution pour restaurer petit à petit la paix, particulièrement dans la partie orientale du pays. Suivez cet extrait. Fin octobre, Denis Kadima, à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Il a confirmé, évidemment, après il a confirmé. Un processus. Alors, ça a déclenché la fureur de l'Église catholique, de l'Église protestante, qui affirme que ce n'est pas la bonne personne, il est trop proche du président. On voit que l'Opposition appelle à manifester. C'est un argument que je trouve dangereux parce que... Dangereux pourquoi? Parce que Denis Kadima... Moi, de mémoire de journaliste, je n'ai jamais vu une seule photo de Denis Kadima avec le président de la République. C'est justement la dangerosité pour un pays comme la RDC. Parce que les deux sont loubas. Mais c'est justement ce qui est extrêmement dangereux. Et si cette question est portée, je n'aimerais pas y croire que ce soit porté par les églises. L'archevêque... Pour un pays comme la RDC, lorsque vous le dites, mais il y avait le pasteur Ngoïmou Lunda. Qui a présidé la CENI à un moment donné, qui était du village du président Kabila, jamais en les critiquant, on a sorti un tel argumentaire. C'est extrêmement dangereux pour un pays sensible comme la RDC de raviver des questions tribales. L'Église catholique joue la carte ethnique, elle joue avec le feu en faisant ça. En tout cas, moi, je regarde l'Église comme partenaire. Je regarde l'Église comme partenaire du gouvernement. Là, elle s'oppose à vous frontalement. Elle ne s'oppose pas à nous. L'Église était actrice, l'Église catholique et protestante, avec les autres confessions religieuses. Ils ne se sont pas mis d'accord, ça n'a rien à voir avec nous. Nous, on a des obligations. L'Église n'aurait jamais porté la responsabilité d'un quelconque glissement, jamais. Ce n'est pas du devoir de l'Église. L'Église a une mission prophétique de prier, d'encadrer et de donner des conseils. Donc vous vous dites avons une mission politique, nous devons respecter les calendriers. Et d'ailleurs, pour ce qui concerne les élections qui viennent, il y a déjà une provision de 100 millions de dollars qui a été apprêtée par le gouvernement parce que le gouvernement n'avait pas de rôle, ne pouvait pas interférer dans les choix qui ont été faits. Et donc aujourd'hui, 12 des 15 composantes qui devaient aller à la CENI ont proposé des noms. Nous pensons que nous devons lancer les processus parce qu'il faut qu'on tiennent les délais. Les présidents de la République y tiennent, nous y tenons, l'Église aussi sûrement. L'état de siège va continuer. Il n'y a pas de limite et donc pourrait s'étendre. En tout cas, l'état de siège, c'est l'opération marque la plus transparente qui existe en RDC. Est-ce que c'est la plus efficace? Elle est efficace, premièrement. Certains en doutent. Les gens ne peuvent qu'en douter parce que l'état de siège en lui-même avait comme objectif de mettre fin totalement aux tueries. Mais ce n'est pas le cas, monsieur le ministre. Les tueries ne s'arrêtent pas parce que vous avez décrété l'état de siège. Aujourd'hui, il y a des opérations, par exemple, avec les G5 Sahel dans la région du Sahel. C'est pas pour autant qu'il n'y a plus de tuerie au-delà du dispositif militaire qui est déployé. En tout cas, pour nous, l'état de siège prendra le temps que ça prendra jusqu'à ce que les raisons qui ont motivé cet état de siège seront résorbées. Et nous sommes optimistes que nous avons des unités qui ont été bien préparées pour celles-là. Nous avons la collaboration avec la MONUSCO qui a été améliorée. Nous avons discuté de la question, bien évidemment, avec les pays voisins qui sont concernés, parce qu'il faut regarder la nature des menaces que nous avons. Les groupes armés sont des groupes armés locaux, mais quand vous avez les ADF, les FDLR, qui sont de forces négatives venues d'ailleurs, vous devez regarder la question sous un prisme régional. C'est ce que nous faisons. Il y aura la FIB, la brigade d'intervention. Nous sommes sûrs que nous allons régler ces problèmes de manière durable. Et donc, il faut un peu plus de patience.
Il faut mettre fin à la série des tueries en République démocratique du Congo. C'est l'engagement du gouvernement. Vous l'avez entendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Thembe. Et que ce soit dans l'est du pays ou même ici à Kinshasa, on en vient à cette histoire dramatique. Un chauffeur qui tue froidement sa propre patronne. Celle-ci l'aurait hébergé pendant une bonne 5 années dans sa propre maison. L'histoire a failli faire exploser la toile, ici comme ailleurs. Nous apprenons que la justice congolaise s'en est saisie. Et puis, le bourreau s'en passait même aux aveux pour avouer le fait. Et ça se passe ici dans la capitale Kinshasa. Âme sensible, abstenez-vous parce que les images peuvent choquer. C'est une affaire digne d'un thriller qui émeut tout le pays. Yvonne Ifete Biaoumba, la quarantaine, mariée et mère de 3 enfants, a été kidnappée puis tuée par son propre chauffeur qu'elle hébergeait depuis 5 ans. Alertée de la disparition de sa fille, la famille du désormais défunt Yvonne Ifete avait saisi la police par une plainte. Le commissaire provincial, le général Silvano Kasongo, a alors diligenté une enquête qui a conduit à l'arrestation du chauffeur Diego Nzita et de son complice Thierry Kangunga. Ils sont passés aux aveux. Poursuivant l'affaire, le commandant de la ville, Silvano Kasongo, a dépêché la police criminelle requise par le parquet sur les lieux où le corps de la victime a été mis en terre. Sur l'avenue Libération, au quartier Kingu, dans la commune de Selembao, l'émotion était vive. C'est dans sa propre parcelle où elle habitait avec ses enfants, sous la citerne, qu'Yvonne Ifete a été enterrée par ses bourreaux. Insoutenable. Selon toujours les aveux de Diego l'assassin, l'idée d'éliminer Yvonne lui est venue quand celle-ci, revenant d'un voyage à Dubaï, a constaté la perte de ses documents parcellaires volés par son chauffeur et ses complices. Menaçant de les faire arrêter, ils ont entrepris de la tuer. Alors qu'ils voulaient vendre la parcelle, les courtiers immobiliers ont exigé une procuration. C'est ainsi que les chauffeurs et sa bande ont utilisé une prostituée pour contacter M. Kambale, époux d'Yvonne, vivant à l'étranger, pour obtenir la procuration afin de vendre la parcelle sous prétexte que sa femme était sérieusement malade, nécessitant des grands moyens pour la soigner. Avec l'aide des secouristes de la Croix-Rouge, la dépouille d'Yvonne Ifete a été conduite à la morgue. La police scientifique était également sur les lieux. À en croire les habitants du quartier, le chauffeur à la barbe méphistophélique n'est pas à son premier forfait. Le troisième complice de la bande est en fuite. Le général Silvano Kasongo a déjà largué ses hommes à sa recherche. Il sera arrêté où qu'il aille, a déclaré avec détermination le commandant de la ville de Kinshasa. La prison de Boma, nous sommes dans la province du Congo central, est confrontée à plusieurs problèmes. On parle de la vétusté, les délabrements de ces bâtiments, mais aussi la pléthore de prisonniers. Constat fait sur place par Polydor Patrick Ngaziem. N'est pas un lieu de maltraitance, encore moins de torture, mais plutôt de rééducation pour les détenus. Elle doit donc être entretenue comme une habitation normale, un lieu où séjournent des humains. Vrai sur toute la ligne et en théorie. Mais dans la pratique, cette idée, mieux ce principe, est loin d'être une réalité pour la prison de Boma qui, depuis plusieurs années, fait figure de parents pauvres. Tous les bâtiments sont vieux ici, excepté celui-ci, construit par le programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, sur fonds propres, pour abriter le greffe et la salle d'audience. Mais pour cela, je suis très content, parce que la greffe, il travaille vraiment
Ils sont nombrés dans une petite pièce comme ça, ça ne va pas. Pire encore, le bureau du directeur de la prison se trouve dans ce même état de vétusté et semble être oublié, alors qu'il devrait être réhabilité et équipé afin de permettre à son occupant de travailler dans des conditions acceptables. Hormis le problème de vétusté, la prison est confrontée à celui de surpopulation et donc de prise en charge aussi bien sanitaire qu'alimentaire des détenus. Ah, mais j'avais fait beaucoup de demandes aux autorités, à Kinshasa même. Vous voyez que cette prison a été construite en 1905, jusqu'au. Presque toutes les maisons par terre. Vous voyez, c'est pourquoi je demande aux autorités de venir construire. Mais la prison ne peut pas rester comme ça. Ça, ce n'est pas une prison. En fait, ce n'est pas une prison. Et malgré la présence des éléments de la police et des FARDC, quelques prisonniers réussissent quand même à s'échapper du milieu carcéral. Une situation qui interpelle et qui doit pousser les autorités compétentes à prendre des mesures susceptibles d'apporter des solutions idoines, parmi lesquelles la réhabilitation de la clôture de la prison et son désengorgement. Et un peu plus loin de Boma, toujours dans la province du Congo central sur les littorales, la cité de Mwanda doit faire face à plusieurs problèmes afin d'assurer le bien-être et la quiétude de ses nombreux habitants. Parmi les défis que ces autorités doivent relever figurent en bonne place l'insécurité, l'éclairage public, notamment les courants électriques qui fait défaut, et surtout la construction de la voirie urbaine. Suivez encore une fois Poudor Patrick Ngaziemi. Comme les autres agglomérations de la République démocratique du Congo, la cité côtière de Mwanda a ses défis. Et parmi ceux-ci figurent notamment les questions de l'éclairage, de l'insécurité et de la voirie. Cette image de l'entrée de la cité n'est pas la même que celle qu'elle présenterait après la pluie. Ce, tout simplement, parce que cette partie de la route n'est pas asphaltée et les ouvrages d'assainissement sont inexistants. Résultat, les eaux de pluie ne sont pas drainées. Elles se fraient elles-mêmes le chemin aux grandes dames des habitants. Ce qui nous tracasse ici à Mwanda, c'est le problème de la route. Veuillez bien plaider pour nous quand vous rentrerez. Ça fait longtemps que cette partie de la route est dans cet état. On n'arrive pas à effectuer des travaux et pourtant, chaque fois, on vient déposer des pierres. C'est le premier point. Le deuxième point concerne l'insécurité. Il y a des meurtres presque tous les jours ici. Le phénomène Kuluna est très actif. Et ce sont des jeunes gens qui s'y adonnent. Pour mettre fin à cette insécurité, il faut qu'on installe de l'éclairage. Situé sur la côte de l'Atlantique et faisant partie d'une province où la plupart des matériaux de construction des routes, à l'exemple du ciment, des pierres et du bitume, sont présents, moins d'à peine encore à se doter des infrastructures routières de qualité. C'est paradoxal pour une cité touristique. Et l'absence de l'électricité dans une grande partie de la cité ne peut que retarder l'envol du tourisme. Et à Kinshasa, la commune de Maluku a accueilli hier vendredi 5 novembre 2021 les débuts de la campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la numérisation du secteur foncier et de l'habitat en République démocratique du Congo. Il s'agit notamment d'un fruit de partenariat entre la ville de Kinshasa et la société DRC Spécial. Papi Katasi, Guimawisi. Urbano-rural de Maluku, dans l'est de la capitale, a été choisi comme commune pilote pour le lancement officiel de la campagne de vulgarisation et sensibilisation de la numérisation du secteur foncier et de l'habitat à Kinshasa. Le vendredi 5 novembre 2021, dans une salle archi-comble de la maison communale, en personne, la ministre provinciale qui est en charge des secteurs fonciers de l'habitat de Kinshasa, Madame Nelly Nchasa Mbungu, a expliqué à l'assistance
composée des chefs de rue, quartiers et des notables, la solution de la ville pour mettre fin au phénomène latent du conflit et surtout des superpositions des titres fonciers en partenariat avec DXI Spatial. Que nous sommes descendus sur terrain, c'est vraiment le lancement pour que la DRC commence son travail. Et ça, tout sera bien sûr couvert et accompagné par les services de l'État qui sont installés dans chaque commune. Ce n'est pas seulement Kamalukwe, Mongafula, les deux extrémités. Si j'ai choisi Maluku et Mongafula, c'est parce que nous voulons d'abord bloquer les communes périphériques. Et le système sera étendu à travers toutes les 24 communes de l'Afrique. L'entreprise DXI Spatial, créée en 2015, implantée à Kinshasa, travaillera désormais en connivence avec les autorités nationales et provinciales pour la géolocalisation des parcelles pour mettre désormais fin à cet épineux dossier des conflits fonciers. Nous intervenons dans plusieurs domaines, mais plus particulièrement, notre raison d'être dans la commune de Maluku, c'est d'accompagner le ministère provincial des affaires foncières, urbanisées et habitat de la ville de Kinshasa pour pouvoir sécuriser. Nous avons plusieurs types de produits. Le premier produit que nous avons lancé concerne à géolocaliser toutes les entités, donc toutes les parcelles à travers la ville de Kinshasa. Ce système va permettre au gouvernement provincial de pouvoir mieux gérer ce qui est du foncier dans cette ville de province. Nous allons aussi accompagner le gouvernement provincial dans le domaine de l'urbanisme, dans le cadre des autorisations de bâtir dans la ville-province de Kinshasa. Le change entre les représentants des DXI Spatial et la madame, la ministre provinciale en charge de l'habitat et foncier, a permis à l'assistance d'avoir une idée nette sur le travail que compte abattre DXI Spatial, qui permettra au gouvernement d'avoir des bases de données pour la construction et surtout le lotissement des villes à travers le Congo profond dans le respect des normes. Orthophoto, système de géolocalisation, désormais une solution pour une numérisation et des titres fonciers et surtout pour cartographier l'environnement ou les terrains avant toute construction. Et l'environnement reste de nos jours un sujet transversal à travers la planète Terre. Lors des conflits armés notamment, les différents protagonistes oublient souvent que c'est la nature qui paie les lourds tributs et les humains doivent désormais fournir beaucoup d'efforts pour toujours préserver l'environnement qui nous sert, nous tous, d'un habitat. Suivez cette interpellation de Esther Badibiabia. Les dégâts causés à l'environnement en temps de conflits armés perturbent les écosystèmes et compromettent les ressources naturelles longtemps après la fin des hostilités. Les pertes en vies humaines, civiles ou militaires, ainsi que les dégâts matériels dus aux conflits armés, sont depuis toujours comptabilisés. Et en revanche, l'environnement demeure souvent une victime silencieuse. Dans les seuls buts de prendre un avantage militaire, par exemple, il arrive que l'eau de puits soit polluée, que des récoltes soient brûlées, que des arbres soient abattus ou des animaux soient tués. Le programme des Nations Unies pour l'environnement a révélé que, lors des 60 dernières années, au moins 40% de tous les conflits internes étaient liés à l'exploitation des ressources naturelles. Il s'agissait soit des ressources de grande valeur comme les bois de construction, les diamants, l'or et le pétrole, soit des ressources rares telles que les terres fertiles et l'eau. Il a également été observé que les conflits impliquant des ressources naturelles avaient deux fois plus de chances de se produire. Selon l'ONU, il est particulièrement important que la protection de l'environnement fasse partie des stratégies de prévention des conflits et de maintien de la paix. Elle insiste également sur la nécessité d'une grande sensibilisation de la communauté internationale aux problèmes de dommages causés à l'environnement durant les conflits armés et rappelle la nécessité d'une protection adéquate de l'environnement contre les effets de tels conflits. Et à propos, dans les territoires de Mwanda, nous sommes dans la province du Congo central, se trouvent le mangrove et le parc marin de mangrove, un patrimoine hyper utile pour l'équilibre des écosystèmes et de la biodiversité, pourtant menacée par le braconnage.
la pêche illégale et l'absence de l'appui du gouvernement pour la préservation du parc marin. Polydor Patrick Ngaziam. Les mangroves sont une végétation côtière composée principalement des palétuviers. En République démocratique du Congo, elle se situe sur le littoral dans le territoire de Mwanda, province du Congo central. D'une superficie de 250 km², soit 25 000 hectares, les mangroves congolaises sont un bouclier naturel contre la pollution, une barrière anti-érosive et un refuge pour certains poissons et espèces protégées appelées aussi espèces parapluies, telles les tortues marines, lithes et olivâtres, les lamantins, l'hippopotame et autres. Une partie des mangroves constitue le parc marin qui comporte trois circuits. Très importante pour l'équilibre de la biodiversité, les mangroves congolaises s'avèrent pourtant menacées avec le projet de construction du port en eau profonde de Banana. Les autorités congolaises ont intérêt à y réfléchir encore afin d'approfondir les études sur l'impact environnemental des travaux qui découlent de leurs décisions. À bon entendeur, salut. Restaurer la paix véritable dans la partie orientale de la République démocratique du Congo exige la conjugaison des efforts variés et multiples et par plusieurs acteurs. Régulièrement, les autorités se sont engagées à échanger, surtout évaluer, pour voir comment apporter la paix petit à petit dans ces différentes contrées de l'Est de la République démocratique du Congo, précisément dans la province de l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu. Suivez. En partance pour Bukavu, en province du Sud Kivu, dans une mission de la paix, le vice-gouverneur de l'Ituri a présenté ses civilités à celui du Nord Kivu ce 4 novembre 2021 en son cabinet de travail à Goma. Le général-major Alonga Boni Benjamin parle d'une rencontre de trois provinces de l'Est de la RDC à Bukavu en faveur de la paix durable. C'est pour une concertation traditionnelle entre le Nord-Sud Kivu et la province de l'Ituri. C'est dans une convention où l'espère ensemble pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo qui s'évalue très souvent. Et cette fois-là, c'est Bukavu qui a été choisi comme lieu de concertation pour évaluer les avancées et éventuellement faire des propositions afin d'asseoir une paix durable selon l'aspiration du chef de l'État. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, s'insurge contre le faux marketing sur la province de l'Ituri. Il rassure par ailleurs, disant que tout va bien. Le marketing qui se donne sur l'Ituri n'est pas nécessairement ce qui se passe. L'Ituri, nous sommes là. Nous connaissons qu'il y a des problèmes qui sont inhérents à la vie humaine. Mais la vie est là, nous vivons très bien. La preuve en est que nous sommes là, avec toute la délégation qui m'accompagne. Nous sommes là, tout va bien. Il y a l'espoir, il faut toujours être optimiste. Il faut être optimiste, il y a toujours la paix qui reviendra. D'une manière ou d'une autre, mais la paix reviendra. Tenez, après cette brève rencontre à Goma, les deux autorités en délégation ont pris la direction de la ville de Bukavu, en province du Sud Kivu, pour un séjour d'au moins 2 jours. Et les comités de liquidation de lignes aériennes congolaises, LAC en sigle Société dissoute et mise en liquidation, a apporté vendredi 5 novembre 2021 de l'éclairage à l'opinion congolaise concernant la confusion qui règne autour de la création de la société Air Congo et le bradage des patrimoines de lignes aériennes congolaises, LAC SARL. Il a invité le gouvernement congolais à engager l'État en déposant une soumission auprès du comité de liquidation. On fait le point avec Sylvain Kapumbo Bosengele. La création de la société d'aviation Air Congo, annoncée par le gouvernement, entretiendrait une confusion dans les chefs d'une certaine opinion congolaise concernant les bradages des patrimoines des lacs SARL. Les comités de cette société dissoute et aujourd'hui mise en liquidation a tenu à dissiper tout malentendu devant la presse. Nous ne sommes pas là pour brader les patrimoines des lacs. Et aucune autorité publique, aucune personnalité n'est venue déjà soumissionner et acquérir un quelconque bien des lacs. C'est ce que nous demandons, nous conseillons au ministre des Transports qui a pris l'initiative de la création de cette société, d'engager l'État en déposant une soumission auprès du comité de liquidation des lacs s'il veut acquérir
les immeubles appartenant à cette société qui est aujourd'hui en liquidation. Mais qu'en est-il de la procédure de paiement des arriérés des salaires des agents des LAC et SARL ? Nous sommes au 8e paiement et nous soumettons un tableau à la ministre du portefeuille. C'est lui qui nous donne les quitus pour payer. C'est là où j'ai dit, même les gens qui parlent à la presse pour combattre la liquidation, tout le monde a touché. Comme nous ne pouvons pas tout mettre à votre niveau, ce n'est que sur autorisation de l'autorité que nous pouvons le faire. Voilà pourquoi le comité de liquidation nous a chargé à dire à ces gens-là, s'ils continuent, ils seront poursuivis en justice et ils ne toucheront plus. Pour rappel, les documents de base orientant la dissolution des LAC et sa mise en liquidation, c'est le procès verbal de l'Assemblée générale tenu le 12 septembre 2014 par l'État congolais, l'actionnaire unique. Éliminatoire de la Coupe du monde football Qatar 2022, deux rencontres importantes pointent à l'horizon pour le Fauve de la République démocratique du Congo. En effet, les Léopards devront croiser les Taifa Stars de la Tanzanie et puis les Écureuils du Bénin. À ce sujet, le sélectionneur national a déjà publié la liste de 28 joueurs sélectionnés pour ces différents rendez-vous. Papi Katassi, Rigo Moulopo. Le match de la 5e et 6e journée de l'éliminatoire de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 en Afrique se joueront du 11 au 16 novembre 2021 dans les différents stades du continent. Le sélectionneur national de l'OPA de la RDC, Hector Cooper Raoul, a sélectionné 26 joueurs pour les deux dernières journées du groupe J. Le LOPA de la RDC sera reçu par les Taifa Stars de la Tanzanie le jeudi 11 à 16h heure locale à Benjamin Mpaka National Stadium à Dar es Salaam et affronteront les Écureuils du Bénin le dimanche 14 novembre 2021 à 14h heure locale au stade des Martyrs à Kinshasa. Voici donc la liste des joueurs retenus comme gardien de but: Kiasumba Joël de la Suisse, Mpasinza ou Léonard de Rodez en France, Lomboto Hervé de DSMP en République démocratique du Congo. Comme défenseur, Idoumba Fassi Kanata de Cape Town en Afrique du Sud, Tissera Maxer de Fenerbahçe en Turquie, Djuma Chabani Wadol de Young Afrique en Tanzanie, Luindama Christian de Galatasaray en Turquie, Bemba Mangoulou Chancel de FC Porto au Portugal, Moukoko Amal et Dieu Merci de Difa El Jadida au Maroc, Ngonda Muzinga Glody de FC Riga en Lettonie, Nsakala Fabrice de Beşiktaş en Turquie, Maswaku Arthur de West Ham en Angleterre. Comme milieu de terrain, Patience Samuel de Sanda de Liège, Kayembe Edo de KS Eupen en Belgique, Ngoma Fabrice de Rajac de Casablanca au Maroc, Moutou Sami Samuel de FC Nantes en France, Takuta Gaël de Racing Club de Lens en France, Kebano Niskens de Fulham FC en Angleterre. Comme attaquant, on retrouve Akolo Ababa Sadak de Sporting Club Ami en France, Bakambu Sedik de Beijing Guan en Chine, Ngandu Kayamba Joël de Victoria Plzeň en République Tchèque, Malango Ngita Ben de Sharjah Emirats Arabes Unis, Mbokani Dieu Merci de Kuwait Sporting Club au Koweït, Mouleka Junction de Standard de Liège en Belgique, Bolasie Yannick Yala de Rize Sport en Turquie et Muzungu Sadak de Racing Club Berkane du Maroc. Et nous allons clôturer ce journal par ce rappel des titres. État de siège dans les deux provinces parmi les 26 que compte la République démocratique du Congo, Kinshasa reste positif et maintient cette option qui, pour le gouvernement, donne de l'espoir. Patrick Mouyaya l'a répété dans les médias européens. Mort tragique d'une dame à Kinshasa, tuée par son propre chauffeur. L'audience foraine a été ouverte ce samedi 6 novembre 2021. Le bourreau en voulait à sa victime par convoitise de sa parcelle juste après un voyage effectué à Dubaï. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout bon week-end dans vos familles. Au revoir.